Ah voilà, 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 je suis sur Twitch. Voilà, la lumière est là. Et juste avant d'accueillir les frérots de la cassette, on va se théma mon Spotify Wrap. Normalement, j'avais une écharpe de Spotify. Je voulais venir comme un homme sandwich. À quel pain je vais être cuisiné? Vous avez écouté 32 genres. Mais en plus, c'est trop nul parce que je trouve le système des genres sur Spotify, c'est super intéressant. Mais en vrai, de vrai, en fait, il y a tellement... Tu prends rap français, il y a 150 sous-genres. Donc hip-hop français, hyper-pop français, rap français, nouvelle vague. Je comprends pas. Rap calme, ok, c'est un genre rap. Ils ont un genre rap, ils ont rap et ils ont rap calme. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant, ouais. 3500 titres en 2023 et l'un d'entre vous a particulièrement parlé. Let's go. Ça, les gars, je vous le dis maintenant. Je le sais. Quand je vais faire le top à la fin de l'année, m'engueulez pas parce que j'ai mis Ateyaba. Je vous avez la preuve que j'ai kiffé l'album et que je l'ai écouté. Donc je comprends que tout le monde a détesté et que je sois parmi les seuls à avoir kiffé. Vous avez la preuve que c'est un des albums que j'ai le plus écouté de l'année. Donc ce serait complètement débile de pas le mettre dans mon top. Il sera pas de numéro 1, c'est sûr. Je parlerai des défauts, mais wesh, c'est fou. Sur les 5 titres que j'ai le plus écouté de l'année, il y a 3 sons d'Ateyaba. Il y a Mad et Black Moon de TTF, c'est vrai que je l'ai beaucoup, beaucoup écouté. 24 000 minutes. 16 jours sans interruption. Alors, par rapport à d'autres, c'est pas tant que ça. Hein. 62K. 83 000. Mais les gars, vous dormez avec la musique. 120 000. J'ai un pote, il a 200 000 minutes. Oui, mais non, mais... Après, il y a un truc aussi, c'est que j'écoute beaucoup de musique sur SoundCloud déjà. Ateyaba, t'es votre artiste phare. Vous êtes dans le top 0,5% de ses fans avec 1097 minutes d'écoute. Shenron, c'est un excellent son. Voilà, je le dis, Shenron est un excellent son. Il y a des gens, quand j'ai dit les trois meilleurs albums de Ateyaba, ils m'ont dit ouais, genre t'es un comédien, t'es un acteur. Je l'ai écouté, mon corps avait envie d'écouter cet album. Waouh. Ben, voilà. Là, l'album est sorti là. Et en plus, on voit que j'ai kiffé l'album pendant une certaine durée. Regardez, hop, et bon, là il m'a saoulé. Numéro 2, Triple Go. Qui sort pas de projet, j'écoute. Quand il sort des projets, j'écoute. Hamza, ouais, après, je suis un peu biaisé parce que j'ai fait la vidéo sur lui. Donc, Purelax, let's go! Sur l'axe 4ème, dédicace au frérot. Oh! Ok, stylé. Le double, je suis surpris, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup écouté, mais le double, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les rappeurs à moins de 1K. Et cet été, il a sorti un projet en collab avec OG Lunis, je crois, c'est ça. Qui est très très. L'EP est très très fort. Donc. Mais 5ème, je pensais pas que j'avais à ce point écouté. Ok. Mais j'avoue que moi, j'ai vu passer aussi des trucs, tout le monde avait hypnotiste. Ben voilà, mon bilan Spotify qui n'est pas plus impressionnant que ça. Non, c'est cool, après, je sais pas pourquoi le mois de décembre, pour ceux qui ont vu la story de Andy, le mois de décembre n'est pas comptabilisé. C'est dommage, il devrait attendre. Je vais pas développer sur est-ce que c'est la meilleure année rap, parce que c'est pas la meilleure année rap, mais grosso modo, il y a eu des trucs assez cool. Bien que, en vrai, ça manque de gros classiques en fait. Ça manque de gros classiques. À l'époque où, je sais pas, il y avait 2020, si je regardais mon bilan, il devait certainement y avoir dans Dada Mixtape, super bien classé. Enfin, là, voilà, c'est le projet d'Ateyaba, mais parce que j'ai kiffé, la critique a été très mitigée. Triple Go, j'écoute H24, donc ils ont sorti 2 projets cette année. Hamza, j'ai fait une vidéo dessus. Furlax, j'ai beaucoup aimé son projet. Et le double, mais ça reste quand même des artistes plutôt dans l'under. Et il n'y a pas eu de projet légendaire de fou baiser. Donc voilà, espérons quand même que Khali ou Limsa et Isha changent un peu la donne pour ce soir.